Salut et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si c'est votre première fois de venir sur ma chaîne, je vous prie de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos. Ok, sans plus tarder, nous allons commencer. Moi, c'est Dougouré Ahmed. Si vous cherchez à gagner suffisamment beaucoup d'argent sur un Xbet, c'est que vous avez frappé à la bonne porte. Voilà, ici, je publie de nouvelles vidéos chaque 2 jours, en fait. Voilà, donc, j'ai même créé un compte WhatsApp, un groupe WhatsApp, sur lequel je partage des coupons gratuits chaque jour. Voilà, donc, n'hésite pas à t'abonner et à adhérer au groupe via le lien dans la description. Voilà, ok, sans plus tarder. Nous allons commencer à rentrer maintenant dans les détails. Comment il faut gagner? Comment il faut faire des paris sûrs? Paris très sûrs sur un Xbet. Voilà. La plupart des gens misent sur des résultats, en fait, sur des victoires. Les victoires ne rapportent absolument rien. Je vais dire. Ce n'est pas sûr à 100% en fait. Voilà, ce n'est pas sûr à 100%. En fait, vous allez faire plusieurs paris, au finish, vous perdez trop. Bon, cette méthode va vous permettre de ne plus jamais perdre et de gagner seulement. Ok, nous allons prendre ce match. Suivez attentivement, vous verrez que non, ça marche à 100%. Suivez attentivement. Nous allons défiler vers la droite. Ok, voici la faille. La faille, c'est ici. Ti cadré. Ok. Je sais qu'il y a plein qui vont se demander comment ti cadré. En fait, ti cadré est une option de un Xbet. C'est quoi un ti cadré? Voilà, c'est ça qu'il faut savoir. Un ti cadré, c'est lorsque le joueur tire ballon dans le cadre du poteau, que ça soit que le gardien arrête ou soit que ça marque. Voilà, c'est un tir cadré. Voilà, nous n'allons pas parier sur V ou soit VN ou soit non, ou soit double chance. Non, nous allons défiler ici. Nous constatons que l'équipe 1 total 1 est favori en tir cadré que total 2. Voilà, nous allons venir juste en bas. Nous allons voir total 1 dans le match complet. Total 1, bien sûr. Oh, nous sommes où? Voilà, excusez-moi. Total 1 dans le match complet. Le match complet, les 90 minutes. Vous voyez que le 4 petit cadré, vous voyez, cote combien? Cote 1, 28. Le 4, je dis bien 4 tirs cadrés. Que le gardien arrête ou soit que le gardien marque, vous êtes là pour compter ça seulement. Vous voyez comment c'est simple. Voilà. Donc, nous allons choisir les 4 qu'on est. André, il y a des options. Restez jusqu'au bout, vous verrez que ça marche. Vous verrez que ça marche à 100%. Ok, nous allons maintenant défiler maintenant vers, nous allons prendre ce match encore. Nous allons prendre ce match. Vous verrez que non, c'est très simple en fait. Vous verrez que c'est très simple. Nous allons défiler en attendant que la connexion soit stable. Ok, petit cadré. Voilà. Vous voyez, petit cadré. Nous allons défiler. D'abord, nous allons analyser. Nous voyons que Arsenal est favori par rapport à Villarreal. Ok, nous allons deviner. Bon, constatez que non, le match aller, Villarreal a gagné Arsenal. Oui, Villarreal a gagné Arsenal. Donc, ce qui revient à dire que quoi? Villarreal, comment Villarreal fera des petits cadrés ainsi que l'Arsenal?
Mais comme l'Arsenal a perdu le match aller, donc le retour sera fatal. Donc Arsenal va faire plus de, en fait, je vais dire plus de tirs cadrés. Donc, que Arsenal marque ou soit qu'il ne marque pas, en tout cas, si c'est direct dans le poteau, nous sommes gagnants. Voilà, total 1. Vous voyez que total 1 plus de 4 tirs cadrés de Arsenal, ça nous fait un code de 1,38. Nous allons regarder pour Villarreal. 2 tirs cadrés, ça nous fait 1,12. Le 3 tirs cadrés, ça nous fait 1,36. Donc nous allons choisir pour Arsenal. Parce qu'eux, ils ont perdu, donc ils vont venir en tard. Donc nous allons choisir ça. Ça nous fait déjà un code 1,77. Vous voyez comment c'est simple. Vous voyez comment c'est simple. 1,77. Imaginez les amis. Si vous misez 1000 francs, ça fait 1777. 1777, on mise les 1777, ça nous fait déjà à 3 paris, nous sommes déjà à 3000 francs. 3 paris, nous sommes à 3158. Maintenant, 3158, ça nous fait déjà 5613. À 4e pari, nous sommes déjà à 5000 francs. Les 5000 francs, c'est déjà bon. Ok, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à liker et à m'envoyer aussi des commentaires si vous cherchez à comprendre d'autres choses aussi. Ok, bye. Cette vidéo vous a plu? Alors n'oubliez pas le petit pouce en l'air et l'abonnement. Sur ce, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Damn.